Bonjour à tous, c'est GLG, je vous souhaite la bienvenue pour l'enregistrement de ce format Je Teste. Oui, pour ceux qui étaient là en live dimanche, bah ils étaient là en live, on a pu parler, discuter, interagir, bon, même s'ils étaient un peu passifs là, en ce moment. Mais après, ils vont se réveiller, vous allez voir. Et on fait l'enregistrement des deux émissions, comme ça, bah, ceux qui sont en live, vous avez l'émission en live, et ceux qui sont en replay, vous avez une version cut, où il y aura du coup les inserts, des tests de micro, tout ce que je peux pas faire là en live, en temps réel. Aujourd'hui, on va parler d'un micro. Parce qu'en fait, j'ai commencé un format sur WTSBGG, qui est ma chaîne de vlog en Thaïlande, avec le iPhone, qui est un super téléphone. Incroyable, hein. Non, oui. Les vidéos sont pas mal. Est-ce que ça vaut son prix? Non, mais les vidéos sont pas mal. Et les photos aussi. Et quand je faisais les vidéos, les photos comme ça, c'est vrai que dès que j'étais un peu trop loin, qu'il y avait du brouhaha, ça prenait tout le son autour, c'était quand même un petit peu dégueulasse. Donc je me suis dit, il faudrait quand même un petit micro sans fil. Donc j'ai regardé sur AliExpress. Bim, allez, je suis tombé sur celui-là. Petit micro. Alors il existe en double, hein, avec deux micros, mais moi j'en avais besoin de qu'un uniquement. Un petit micro, un petit boîtier, un petit micro cravate, un petit récepteur. Le prix, prix de psychopathe. Hein. Alors ça existe en Lightning. Donc ça doit être le Lightning. Ok. Ça existe en USB type C. Ok. Voilà, deux USB type C, et enfin deux micros, etc., etc. Voilà, USB avec Lightning. Bon, le prix TTC, 16,40€, mais il y a 2,83€ de coupons, ça vous fait 14€. Bon, à savoir que pour ceux qui seront un peu trop impatients, avec un Z comme cheval, évidemment, j'ai trouvé le même sur Amazon. Alors, c'est pas exactement le même, mais c'est la même... J'allais dire, c'est la même merde. Je sais pas si YouTube, ils vont laisser passer. Non, hein, comme ça, de temps en temps, ça peut... C'est la même cochonnerie, cochonnerie. C'est le même. Ah, ils ont changé un petit peu le design, mais c'est exactement le même et surtout le même fonctionnement. Allez, voilà la boîte par exemple. Bon, vous recevez la boîte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai vu beaucoup de fois sur AliExpress. Et quand vous regardez un peu les commentaires et les détails, tout le monde vous envoie le même. Mais il y en a qui le vendent 15 balles, mais il y en a qui le vendent 40 balles tranquille. Hein, voilà. Donc, dans la boîte, vous allez retrouver avec un micro, ok, qui est comme ça, et un émetteur. L'émetteur, il est plutôt classique. Alors, soit vous prenez que le boîtier, et dans ce cas, vous rechargez tout en USB type C. Ce qui est moi, personnellement, ce que je préférais. Soit, apparemment, j'ai vu qu'il y en avait des vendeurs qui proposaient sans le boîtier. Donc, dans ce cas, c'est vrai que vous allez vous retrouver avec deux appareils. Celui-là, il n'y a pas de raison, non, qu'il soit allumé en USB. Je ne sais pas pourquoi celui-là serait allumé. Ah non, mais c'est le connecteur. Voir, c'est de l'USB type C aussi, faut voir. Je suis en train de me poser, de questionner de moi-même. Ça, c'est de l'USB type C ou pas, hein, sur le côté? Ouais, non, ça marche pas. Oui, parce qu'il n'a pas besoin d'être alimenté, lui, en théorie. Il a juste besoin d'être alimenté par l'iPhone. Donc, lui, tu le mets au cul du iPhone, ok, comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, tu mets ton micro, ici, ok. T'oublies pas de l'allumer. si tu crois que tu vas le sortir du boîtier et qu'il va s'allumer tout seul, eh ben, tu te mets le doigt dans ton œil, hein. C'est sûr. Pas, non, pas là-bas. Voilà. Là, tu allumes, ok. Ok, il s'allume vert, il est appairé automatiquement. Il n'y a pas rien à faire. j'ai essayé, hein, il n'y a rien à faire. Voilà. Et après, quand tu as fini, ok, tu fais ton enregistrement, tu le mets là-dedans, et comme ça, on n'en parle plus. Hop, truc, tu mets là. Donc là, ça va être le connecteur qui va se remettre là-dessus. À mon avis, c'est juste un petit connecteur... Oui, c'est juste du plastique, en fait. Il n'y a rien. C'est juste pour qu'il soit pile dans l'emplacement, comme ça, voilà. Et là, après, bah, tu peux faire tes enregistrements. Alors... Je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que ça donne le son? Alors, je ne peux pas faire d'impression tout en même temps, là. Je vais vous mettre le téléphone comme ça, d'un enregistrement que j'ai fait cet après-midi. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir la vidéo. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, et ceux qui regardent son rond, ceux qui regarderont ça en replay. Pourquoi j'ai mis le téléphone à l'horizontale? Je sais bien qu'en mode story, ça ne va pas être bon. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais, il parle trop. Allez, tu sais, tu vas trouver. Allez, rendez-vous ce soir, j'ai la vidéo, je te mettrai le lien, t'as plus qu'à cliquer maintenant. À tout à l'heure. Alors c'était le deuxième. Là, c'est l'oreille. Bonjour Instagram. Ce soir, je vous donne rendez-vous sur GLG Vidéo. On parlera notamment ça, de c'est le son avec mon iPhone. De ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris le modèle iPhone avec le. C'est. Alors, c'est pas incroyable, encore une fois. Si je parle trop fort, ça sature, bien évidemment. Il n'y a pas de réduction de bruit, de rien. Mais quand il y a du vent, bah voilà, il faudrait mettre une petite mouflotte. Mais 16 balles. À partir du moment où tu sais que ça vaut 16 balles. Que la liaison se fait bien, qu'il n'y a pas de temps de latence et tout, quand tu regardes la vidéo, bah tu te dis, je vais parler doucement, tu poses ta voix un petit peu comme ça, parce que tu sais que le micro est là, donc t'évites de gueuler comme un putois comme moi. Plus ce joli micro est livré avec son boîtier, alors il n'y a pas de batterie apparemment à l'intérieur, hein. C'est vraiment juste pour pouvoir le recharger et tout, mais voilà, tu branches en USB type C, tu mets un côté tu mets l'émetteur, et un côté tu mets ton micro, et puis ça se recharge en USB type C, enfin,
16 balles sur Amazon. C'est vraiment, vraiment la folie. Vous trouverez le lien directement sur GG Vidéo. Petit café à Unique Roaster Café. J'ai pris ma petite veste parce que, non pas qu'il fasse froid, mais le soleil tape et après, je me prends des petits coups de soleil sur les bras. Faut quand même pas déconner. Voilà. Bon, la vue est quand même plutôt sympathique. Le café aussi, on va boire ça. Puis voilà, ça permettra d'avoir des rushs pour ce soir. C'est ce qu'ils vont demander, mais que donne donc un petit peu cette qualité vidéo, enfin cette qualité audio du micro. Ben maintenant, tu sais. Mode baryton comme ça, tu dis, je pose un peu ma voix, tu parles doucement, et donc du coup, tu dis voilà, doucement, parce que le micro, il est là, de toute façon. Et si jamais il y a vraiment du vent, tu peux, à mon avis, arriver à bricoler une petite mouflotte, ou alors tu le mets en dessous de ton t-shirt, pas trop contre la peau, ça va frotter. Et ça permet d'avoir vraiment une solution qui est vraiment très intéressante, et surtout qui est à prix incroyable. Alors oui, à mon avis, il y a mieux, hein. Il y a mieux, mais dans le but, c'était vraiment, il fallait un truc rapidement. Je l'ai commandé, je l'ai eu en 3 jours. Et ça permettait d'avoir un micro, parce que là, voilà, le 2, on va encore me dire, des fois, je mets la main devant le truc, même si je fais attention. Là, au moins, à partir de la vidéo numéro 3, il y a un micro-cravate. J'ai un micro-cravate avec la caméra sport quand je vais faire le trip. Et comme ça, j'ai un petit micro-cravate pour faire mes enregistrements, la WTS, puisque ça passe toujours beaucoup mieux de se mettre en compte touriste avec un téléphone et de filmer comme ça, que de sortir une caméra sport avec le micro qui dépasse et tout. Voilà. Les gens ont toujours un petit peu peur. Tchou ! Alors, petit bilan sur le faire à ce micro. Je trouve que le son est vraiment très correct, encore une fois, pour 16 balles. C'est quand même un micro sans fil, ça existe en USB type C et en lighting. Bon, l'intérêt du lighting, c'est voilà, c'est plug and play. USB type C, encore une fois, ça va dépendre de certaines marques de smartphones. Je sais qu'il y a des téléphones où quand tu branches un USB, ça marche pas. Il faut aller dans les réglages, forcer le truc en disant non, mais là, le micro, il faut passer par là-bas, voilà. Bon, là, avec le iPhone, c'est trop bien. Et ça marche super, super bien. Le produit, pour l'instant, il marche. Il est pas encore tombé en panne. Le boîtier, par contre, n'a pas de batterie, hein. Voilà, c'est juste pour plugger et pour pouvoir recharger les écouteurs pour éviter de tout compte fait de mettre que ça au bout d'une prise. Ce qui revient un petit peu au même quand même, on est un peu d'accord. Voilà. Donc tu peux, je te mets les liens dans la description, soit si tu veux les commander sur AliExpress, sauf que AliExpress, il n'y a pas d'affiliation et qu'il va falloir que tu attendes un mois. Voilà. Sinon, tu peux le commander sur Amazon. Là, Amazon, il y a un lien d'AliExpress. Et puis AliExpress, ils vont me donner au moins. Des fois, c'est 2 ou 3%. Hein. Donc 2 ou 3% de 15 euros. Ah oui, je pars en vacances, on l'a dit. Voilà. Donc le produit, il est plutôt intéressant. Après, bon, je pense que vous allez en bas, il y en a plein d'autres modèles avec des mouflottes et tout. Mais le but, c'est vraiment d'essayer le moins cher des moins chers. Et je pense que ça a répondu un peu à mes attentes. Tu mets un commentaire en toutes ces vidéos pour dire ce que tu as pensé de ce micro. Est-ce que pour toi, bah oui, 15 balles, t'as pas besoin de plus. Ou alors, t'as besoin de plus, t'as déjà un autre en lighting. Et dans ce cas, tu mets ce que t'as. Ça, je pourrais peut-être en acheter un aussi un peu mieux que celui-là. Hein, parce que malgré tout, voilà, au bout d'un moment, on veut toujours mieux de mieux. Si tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, je réponds aux commentaires et tu peux mettre également un pouce en l'air parce que oui, tous les pouces sont permis. T'as aimé pouce en l'air, t'as pas aimé pouce en bas. Ça vaut 15, 16 balles, hein. C'est marqué dans le titre. On dit, mais 16 balles, voilà. Si t'as moins, aussi bien moins cher, tant mieux, hein, mais non. Je pense pas. Allez, on reprend le fil du chat. Je vais lire un peu vos commentaires et on fera les deux enregistrements tout à l'heure. Tout à l'heure, on parle de Tongue. Voilà. Et bonne journée à tous. Bye bye.